jeunes font. Autre aspect, pourquoi est-ce que le cinéma africain n'arrive pas à s'imposer dans de grands festivals comme celui de Cannes ou encore celui des Grammy Awards? Est-ce qu'il ne faudrait pas que nous nous focalisons sur ce que nous avons, comme par exemple le FESPAPO, les Talents d'Or, pour et produire un cinéma de qualité qui puisse s'internationaliser et vendre l'image de l'Afrique à l'international? Parce que vous savez, nous les jeunes, on a mille et un combats, notamment même au niveau de l'imposition des cultures, de l'imposition de la façon de voir la vie. Et le cinéma aussi est un moyen de communication et de transport de façon de vivre, d'idéologie très puissant. Nous, notre jeunesse, on a mille et un problèmes parce que déjà nous ne maîtrisons pas nos traditions, très peu maîtrisent la langue vernaculaire et en même temps se retrouvent un peu étrangers dans la culture des autres. Donc, au carrefour, sans savoir d'où on vient, sans savoir où on va, et on a peur pour la prochaine génération à venir. Parce que cette génération qui est dite entre guillemets génération intermédiaire, ça va encore un peu. Mais celle qui vient, qui directement grandit et se fait éduquer par le téléphone, se fait éduquer par les réseaux sociaux, rend la tâche encore plus ardue. Si nous n'arrivons pas à produire dans son ensemble des projets de qualité qui puissent faire revivre nos valeurs. Donc, c'est un peu tout ça en 3-4 questions que j'aimerais qu'on parle. Mmh. Je crois que je ne serai pas en mesure de parler d'entrée et de répondre à toutes tes questions. Tout ce que vous avez évoqué comme enjeux du cinéma africain en ce moment sont des choses importantes et des réalités incontournables de la culture africaine et de l'éducation des jeunes générations africaines. Ce sont des éléments très importants. Donc, je vous propose que vous puissiez me relancer de temps en temps pour que je n'oublie pas. Ok. Donc, on. Dans l'autre aspect, donc, vous savez dans quel ordre vous avez posé la question. Bon, on pourrait parler de votre regard, de votre critique, de votre avis sur les productions cinématographiques contemporaines africaines. Ah oui, je voulais aussi vous dire que. Il y a un ami cinéaste du Congo Brazzaville qui vient de réaliser, ma chemise là n'arrête pas, qui vient de réaliser un documentaire sur ma vie professionnelle. Et c'était, je l'ai trouvé intéressant. Avant que je ne sache que. Mon invitation aussi était confirmée. J'en avais parlé avec Madame Noët, qui me dit que je revenais de la vente de ce documentaire dans un festival à Paris. Et alors elle m'a dit. Ce serait bien qu'en hommage à votre carrière, on puisse diffuser ce film ici. Bon, il m'a fallu du temps pour faire venir un DVD de Paris à Bruxelles. Et je n'ai eu ce DVD que 2 jours. Avant d'être ici, avant mon voyage. Donc, je
Je ne sais pas si c'est toujours programmé dans le cadre du festival ou pas. Moi, ça m'intéresse. C'est un documentaire qui soit venu. Vous pouvez demander à Sylvie si elle compte le programme. Je n'y manquerai pas. Je serai demain. Dès que vous avez l'occasion. Mais il ne faut pas qu'elle ait l'impression que je cherche à lui forcer la dame. Peut-être qu'elle avait déjà fait toute sa programmation. Maintenant, un jour avant l'ouverture, je lui annonce que finalement j'ai le DVD à main et que je viendrai avec. Dans le DVD, on parle de l'ensemble de votre carrière parce que vous êtes né en 1950, vous avez produit 13 films. Vous avez réalisé plusieurs films, et parmi lesquels La vie est belle, de réalisé avec l'artiste Papa Wemba. Oui. Vous avez réalisé un film sur le roi Bakongo avec Dieudonné Essomba, avec Monsieur Essomba, Gérard Essomba, avec Gérard Essomba. Celui-là aussi, je pense avoir déjà vu aussi à TV5. Vous avez réalisé le plus récent, Pièce d'identité, au Cameroun. Une partie au Cameroun. Une partie au Cameroun. Mais la grande partie en Belgique. Bon, celui-là, je ne suis pas encore sûr de l'avoir vu. Mais Pièce d'identité. Oui, mais je ferai tout pour l'avoir, pour le voir, autant pour moi. Bon, celui-là est peut-être le plus important dans ma carrière. Parce que c'est le film qui m'a honoré du Grand Prix du FESPAC. Pièce d'identité? Le film qui a obtenu les talents du FESPAC. J'étais très honoré de recevoir ce prix du domaine du président du Burkina Faso. Parce que c'était, je crois, le couronnement de ma carrière. Au-dessus de ça, je crois qu'il n'y aura pas. Voilà. Mais rien n'est joué. Vous pourrez toujours réaliser, vous pourrez toujours diriger, ne serait-ce qu'à distance, un film. Il suffit qu'un jeune vienne avec un projet qui vous parle pour que, ne serait-ce qu'en coulisses, vous puissiez l'orienter et le diriger. Oui, peut-être. Peut-être c'est souvent ce qu'on fait. Si je suis passionné par un projet d'un jeune, peut-être je peux jouer un peu à l'encadreur, c'est-à-dire dans le langage professionnel, on appelle ça producteur. Ça peut éventuellement m'intéresser, mais je n'en suis pas là encore pour le moment. Du moment où je sors des sérieux problèmes de santé que j'ai eu il y a une bonne dizaine d'années, un AVC, je crois que maintenant je suis en train d'affirmer le fait que ça appartient au passé. Et donc, moi, ça m'intéresse de revenir dans la profession de manière active. Mais ce retour dans la profession, je ne connais pas encore la forme ni les conditions que ça prendra. Mais quand vous voyez les films, la projection ou bien la sélection du Festival Yara avec ces jeunes qui partagent la même passion que vous, qu'est le cinéma, est-ce que vous sentez que la rigueur que vous aviez eue lorsque vous réalisez vos projets se retrouve ou bien été transmise à cette génération
encore rien dire à propos des films programmés dans le festival. De façon générale, hein, de façon générale. Je ne les ai pas vus, je ne suis arrivé qu'hier. Ah, ok. Donc aujourd'hui, c'était ma première journée ici au festival. Je suis incapable de... Vous prononcez là-dessus. De parler des films, j'ai vu un film ce soir. J'ai participé aussi au colloque et c'est à peu près tout. Donc, mon expérience du festival, il y aura ne date que d'un jour. Alors je ne suis pas encore en mesure de me prononcer d'une façon générale sur la programmation et sur le contenu. Ok, je comprends. De façon ramassée, est-ce que ça vous dirait de nous parler de comment est-ce que vous avez entendu parler du Yara? Comment est-ce que c'est fait, c'est opéré la magie qui nous vaut l'honneur de votre présence au Cameroun pour ce festival? J'ai entendu parler de Yara parce que je connais la directrice, Madame Sylvie Louet, qui, dans le temps, travaillait pour le festival Écran Noir. Dans le temps, elle travaillait pour le festival Écran Noir. Et donc, j'ai eu l'occasion de la connaître. Et puis, au FESPACOD, il y a 2 ans, je l'ai encore retrouvée pendant le festival et elle m'a dit que maintenant elle organisait un festival de plein de filles. J'ai trouvé très intéressant parce qu'il faut toujours trouver un tremplin pour des jeunes qui commencent. Et que ce tremplin n'est pas seulement au niveau de la distribution, au niveau des gains, mais au niveau même du contenu de ce film, de la forme et du fond. C'est-à-dire qu'il faut donner l'occasion aux jeunes étudiants de pouvoir réfléchir sur leur travail. Aujourd'hui, pendant le colloque, je me souviens qu'il y a un collègue nigérian qui a évoqué le fait que la jeune génération souvent ne s'intéresse pas à l'histoire du cinéma en général et plus particulièrement dans leur pays. Et lui disait, moi, je suis très heureux de connaître l'histoire du cinéma nigérian, donc Bollywood. Je sais comment il a commencé, je sais que, quelles sont les étapes qu'il a franchies. Et donc je peux en parler. Parce que je maîtrise son histoire et son évolution. Et j'invite les jeunes maintenant à s'intéresser au travail de leurs aînés dans leur pays et même du cinéma mondial en général. Je crois que on ne peut pas dire seulement, j'ai une belle caméra en Italie, je vais commencer à filmer. C'est évident que techniquement, vous pouvez enregistrer de belles images. Mais enregistrer de belles images, c'est quoi? C'est juste de la technique. Et par contre, avoir une œuvre
de cinéaste. Je crois que c'est souvent par l'expérience qu'on arrive à obtenir ça. Et c'est aussi le rôle de la période de formation qu'on ait pu passer par l'école ou bien qu'on ait appris sur le tas, ça n'a pas d'importance. Mais je pense que si on veut aborder le défi du Seigneur, si on veut faire un peu, il faut considérer justement que ce métier. Que tout métier s'apprend. On apprend le métier par plusieurs aspects. La physionomie, la réalisation, c'est-à-dire la mise en scène, l'histoire, et même plus que ça, la philosophie du métier. Un cinéaste, le plus cinéaste, ne se pose pas la question pourquoi est-ce que je filme? Pourquoi, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux raconter. Et je crois que c'est ça qui est important dans le processus d'apprentissage, processus de réalisation, processus de création. Dans le processus de création, il y a tout un travail de réflexion dont on ne peut pas faire l'économie, on ne peut pas économiser cette étape-là. Je pense qu'à un certain moment, on doit beaucoup réfléchir sur ce qu'on veut réellement donner, ce qu'on veut donner à voir de soi-même en tant qu'individu, mais aussi une personne appartenant à une société donnée. Moi, je pense qu'à travers le cinéma, je parle des choses qui m'intéressent personnellement, ma qualité d'individu singulier, mais aussi à ma qualité de personne appartenant à telle société, à tel pays, à tel continent, etc. À telle race humaine. Tout ça m'intéresse, tout ce que je suis. Nous sommes des êtres complexes. La complexité de nos vies nous donne envie de nous exprimer pour transmettre à nos citoyens, à nos contemporains, ce que nous avons comme préoccupation. Nous n'avons pas que notre nombril. Nous avons toute l'histoire qui nous entoure, et nous avons tous les problèmes sociaux, politiques, etc. qui nous concernent, qui concernent toutes nos époques. Nous avons aussi des aspirations. À quoi aspirons-nous? À quel genre de société aspirons-nous? Etc. Voilà donc ce que je veux dire, c'est que sans tout ce travail-là, d'abord, moi je dirais que l'être humain ne peut pas devenir selon l'être humain s'il ne fait pas ce travail-là pour lui-même, pour ses proches, pour pouvoir parler à son entourage et à ses proches. Il faut parler en sachant qui on est.
former, ça veut dire qui suis-je, de quelle famille je viens, de quelle société je rêve, quelles sont mes aspirations profondes. De ma vie, les choses que j'aimerais partager avec les miens, c'est quoi les miens? Les miens, c'est tout le monde. Le cinéma a cet avantage d'être un média qui s'adresse à un grand nombre. Cher de faire un film, donc on ne peut pas le faire comme ça, comme pour jouer. C'est un jouet, peut-être même un jouet qui est très cher. Donc il faut respecter cet aspect-là beaucoup. Et pour moi, un festival comme il y a, à cette mission-là, qui est de rapprocher les générations des cinéastes. J'ai même l'impression que peut-être à l'avenir, ce festival des premiers films pourrait faire ce festival des premiers films plus autre chose. Parce que je me souviens des discussions que j'avais eues avec la directrice Sylvie. Je lui disais que pour moi, mon premier festival avec mon tout premier film, le documentaire Kim Kiesi, ce festival a été très important pour moi parce que j'avais eu l'occasion d'avoir. J'ai rencontré tous mes aînés, personnalités fortes comme Saint-Ben Ousmane, comme Mertendo, Gaston Taboret, etc. Lionel Platane. Je me souviens que pour moi, il était un jeune débutant. Ce qui m'a nourri aussi, c'est de pouvoir montrer mon fils à des personnes plus averties, plus au fait du cinéma africain. Et je pense que dans ce contexte-là, les débats, les colloques sont une grande occasion pour les jeunes de découvrir, de présenter leur travail à leurs amis, et je crois qu'il y a un festival, surtout un festival de premier film, c'est le lieu d'une initiation, c'est-à-dire un moment qui est initié. Et moi, je me rappelle que quand j'ai terminé le FESPACO, mon tout premier FESPACO, c'était en 1983. C'était mon festival du premier film. Parce que c'était mon tout premier film. J'étais très content d'avoir reçu le prix du meilleur documentaire. Parce que j'ai considéré que le fait de rencontrer mes aînés, c'était une initiation. Et le fait que ce film a reçu un prix, a été primé à ce festival, le grand bonheur pour moi, c'était de me sentir porté dans la famille, la grande famille du cinéma. C'était non seulement une initiation, mais aussi
cooptation si je peux. Donc, je me suis senti accepté. Oui, ce sont des phases très bien. Très importantes, surtout au niveau psychologique. C'est une mission importante que remplit un festival comme Yara. Il faut vraiment intensifier cette occasion d'un dialogue fructifiant. Intergénérationnel. Intergénérationnel. Et les moins jeunes, les vieux et la jeunesse. La jeunesse. Il faut que ce dialogue-là existe. C'est ce que nous avons découvert aujourd'hui dans le colloque. Un petit conseil numérique. Sur le numérique. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont posé la question de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on veut nous imposer, etc. Nous, ce que nous faisons déjà, nous suffit pour nourrir les familles. Et je sais que mon collègue Jean-Marie Thénault a bien expliqué à ces jeunes que le plus important n'est pas seulement que considérer le cinéma comme une activité qui permet de nourrir sa famille, mais peut-être autre chose. C'est une nourriture de l'esprit. Et donc, pour nourrir la famille, c'est le plan matériel, et c'est la nourrir autre chose. Leur apporter. Je pense que bon, pour moi, je suis un père de famille. J'aime bien de temps en temps que mes enfants voient mes filles et qu'on en parle parce que je pense que ça leur apporte aussi autre chose que ce qu'un papa peut faire. En disant je suis sorti toute la journée, je ramène du pain. Un papa cinéaste ne ramène pas que du pain à ses enfants, il ramène aussi tout un univers intérieur, toute une conception du monde, de la vie. Et c'est ça le cinéma aussi. Ça, le cinéma, il y a des aspects politiques, bien sûr. Je pense que très souvent, les personnes qui réduisent l'engagement au seul aspect politique ont souvent commettre une erreur d'appréciation. Parce que la politique, c'est quoi? La main, la forme, et sans limite, la politique s'immisce aussi dans des aspects pas très très nets de notre vie, dans plusieurs aspects de notre vie. Ou à tel gouvernement ou à tel autre. C'est juste une manière de gérer la cité, comme le disaient les Grecs anciens. Comment nous gérons la cité? Par exemple, qu'est-ce que nous voulons apporter aux jeunes qui viennent après nous? Quelle conception de l'univers avons-nous? Si je parle en tant qu'Africain, je vais réfléchir sur le fait, par exemple, que l'Afrique actuelle est un continent qui a subi énormément
bestialisation, on a voulu fabriquer des individus qui devaient chercher leur idéal ailleurs que dans l'univers culturel de leur père, grand-père et arrière-grand-père. C'est-à-dire, on a voulu fabriquer des individus complètement coupés d'eux-mêmes, etc. Et je pense que si le cinéma peut arriver à soigner tous ces traumatismes, je pense que le cinéma peut avoir une mission qui est de dire voilà un continent malade, nous avons trouvé des prothèses ou des biométriques. Comment qu'il fasse que l'homme africain ait encore ce courage de se tenir debout et de se sentir comme un être vivant. Je pense que notre histoire à nous, Africains, fait de nous des zombies. Et tant que nous montrions la face du monde, notre vraie créativité, notre vivacité, une autre manière de concevoir la vie, notre conception de la vie, de... Moi, je suis congolais, mais quand je suis à Yaoundé ou à Abidjan, je peux retrouver une communauté d'esprit avec les Ivoiriens, les Camerounais, les gens de d'autres pays africains. Et donc je me dis quelque part que nous évoluons dans le même monde et nous aspirons à des valeurs qui sont les mêmes. Ça veut dire que nous pouvons parler le même langage. Donc quand on dit cinéma africain, on pense toujours que c'est juste une complaisance. Je ne crois pas que c'est une complaisance. Nous avons un passé commun et nous avons la même manière d'aborder notre futur et notre avenir. Je crois que c'est le rôle du cinéma. Parce que vous m'avez parlé tout à l'heure de, du fait que le cinéma, non, la culture africaine dans le temps, c'est d'abord véhiculé par des personnes âgées qui, par tout un système, pouvaient initier les plus jeunes à la vie. Et de nos jours, c'est plus les téléphones portables qui le font. Internet, le numérique. Et je crois qu'il faut prendre ce côté-là au sérieux. Parce que je pense que nous étions dans la transmission des valeurs morales et culturelles via la tradition orale. Cette tradition orale existe de moins en moins. Et le cinéma et l'audiovisuel devraient maintenant jouer le même rôle que ce que la tradition orale apportait aux générations de personnes comme moi, même plus âgées, moi-même je suis même trop jeune. Je pense que les contes africains de nos enfants peuvent être valablement remplacés par le cinéma.
vous savez que... Ou alors être transposé au cinéma. Peut être transposé au cinéma. Donc le cinéma peut jouer le même rôle que ce que la tradition aura joué dans le temps. C'était toute une manière d'apprendre la vie, si je me rappelle. Une fois, nous avions tous des occasions d'écouter les anciens qui nous parlent de proverbes, des tons, des devinettes, paraboles, anciennes et des contes. Et tout ce monde-là, s'il y a une forme d'art qui peut remplacer cette culture ancienne, c'est le cinéma. C'est à ça que j'attribue le rôle d'un cinéaste. Au sorti, votre mot de fin, votre mot d'accompagnement, est-ce qu'il y a encore autre chose que vous aimeriez transmettre, que moi-même peut-être j'ai omis d'évoquer? Je ne sais pas qu'est-ce que je peux transmettre. Moi, je dirais que je suis très content d'être ici à Yaoundé, Cameroun, un pays de l'Afrique centrale, très proche du mien, même si actuellement je vis à Gabon. Mais c'est un bonheur pour moi d'être ici. Et en plus, j'ai bien apprécié l'idée même de ce festival, du premier film, comme je vous l'ai expliqué. C'est faire venir les jeunes dans le métier en leur donnant l'occasion de mener certaines réflexions sur leur travail, sur le travail accompli par leurs aînés. Et si on peut trouver une occasion pour que, parallèlement au premier film, il puisse y avoir aussi simultanément une occasion de faire venir des vieux, moi je pense que ce ne serait pas une mauvaise chose. J'imagine déjà que, comme ça, ce qui me vient à l'esprit, ce serait de programmer simultanément les premiers films africains plus une série de films qui ont été filmés et remarqués au FESPACO. Comme ça, les jeunes qui viennent montrer leur premier film vont aussi voir le travail réalisé par les anciens, et les anciens vont avoir l'occasion non seulement de juger les premiers films, mais aussi d'échanger avec les jeunes. Peut-être de cette rencontre-là peut naître quelque chose de mieux. Je vous remercie. Merci.